Salut, bienvenue sur Chanel de Lens Design. Dans la vidéo aujourd'hui, nous venons présenter et parler de 5 bêtes qui sont plus dangereuses dans le monde. Rapidement, nous passons dans la première bête qui est plus dangereuse dans le monde, qui c'est moustique. Ça que nous appelons le maringouin pabo ici. Moustique avec Tigosse, Ricky Kilio, il est difficile pour imaginer que bête ça a été capturé plus de monde sous terre. Cependant, il y a un insecte qui a un pile virus. Ak parasite. Li transmet si tout nan peyi Afriken yo maladi grave tankou la fièv dengue, la fièv jaune ou swa même malaria. Moustik la pou kont li la cause plus passe 720 000 morts chaque année. Nan etap sa, nan explication yo, petit tout kamande, est-ce que moustik la vraiment utile pour planète la? Explique li que insecte sa se manje principal en pile bête tankou crapaud, araignée, etc. C'est peut-être ça qui participe dans la chaîne alimentaire. Sans transition, on passe dans la deuxième bête qui est plus dangereuse dans le monde, qui est le serpent. Ça que nous appelons le couleuvre babo ici. Si il y a un couleuvre qui est inoffensif, il y a l'autre en revanche qui est très dangereux. Selon l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, il y a 600 espèces qui sont venimeuses, dont 200 potentiellement toxiques et mortelles pour l'homme. Parmi les reptiles qui sont plus terribles, nous avons la crête, la malaisien, la vipère, la malaisien et quelques cobras. Les bêtes sont mordues dans quelques minutes seulement pour mourir. Nous avons une bête qui est la mouche tsetse. La mouche ça c'est un insecte africain qui nourrit avec sang. Les piquets de monde, les piquets de bêtes tout. La mouche ça transmet un parasite qui est parasite trypanosoma. Liba yon maladie qui est maladie du sommeil. En bon créole, maladie dormi. C'est une maladie qui attire à la seconde si vous pas traité rapide. Symptômes maladie ça c'est la fièvre, tête fait mal, douleur articulaire et démangeaison. En quatrième position, nous avons hippopotame. Bête ça, bien que li se herbivore, il pas vle moun sous chimel. S'il juge que il y a une présence yon moun sous territoire là, l'a chargé moun nan ak gros dan lio et li ka blessé le grave. Poids bête ça évalué jusqu'à 3.2 tonnes. Mamifè sa yo commencé en voie de disparition. Ça veut dire quantité qui te kon gen longtemps yo pa gen yo encore. Bien rapide, n'a passé dans 5e bête qui pi danger dans monde là. Bête ça n'a gardé là li rele crocodile. En Haïti, nous relèvons le caïman. C'est une bête qui est plus dangereuse dans le monde. Il attaque en silence, mais très violent. Le caïman représente une grosse menace pour tout être humain, si tous les lapins vivent dans l'environnement côté qui gagne le monde qui habite. Il y a plusieurs espèces parmi eux. Dans ce qui est plus dangereux, nous avons le crocodile du Nil, c'est-à-dire ça qui vit dans le fleuve et puis le crocodile marin, c'est-à-dire ça qui vit dans la mer. C'est le plus grand reptile dans le monde. Il a un mâchoire tranchant et il a une force pour le mordre qui est incroyable. Jodi a suivi au menacé à cause de déforestation et pollution agricole. Heureusement, dans quelques régions, le crocodile est protégé par habitants. Parce que oui, pour bien planète là, il y a un animal, même s'il est méchant, il a un droit pour le préserver. Merci à tout le monde qui t'a regardé vidéo ça. Si tu aimes mes vidéos, je vous invite à abonner à la chaîne, partager vidéo pour plus d'autres monde ka wè. C'était Zami pour Border pour Amengo pour Delen Design qui t'a porté vidéo ça pour nous. Merci à la prochaine.